Salut les amis, j'espère que vous me voyez. Non mais c'est bizarre, je me vois même pas dans la caméra. Là je regarde l'écran de la caméra, je me vois même pas. Bon salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça ne va pas du tout, du tout, du tout. En gros, depuis que Lily Rose est rentrée du collège, donc elle est rentrée du collège il y a environ une heure. Peppa Pink pareil, il est rentré du travail. Et là je ne comprends pas pourquoi. Il m'ignore. Mais quand je vous dis qu'il m'ignore, c'est que j'ai l'impression qu'il ne me voit même pas. À chaque fois que j'essaie de leur parler, par exemple, j'ai demandé à Lily Rose, ah, ça s'est bien passé ta journée. Elle m'a même pas regardé, elle m'a même pas répondu. J'ai l'impression que je suis devenu invisible. Et là, je me vois même pas dans la caméra. Et quand je me regarde dans le miroir, je me vois même pas. Regardez. Là, je me regarde dans le miroir et j'apparais même pas. Donc c'est super bizarre, je comprends même pas comment c'est possible et j'ai l'impression que je n'existe plus quoi, alors que bah là quand je regarde ma main, elle existe quoi, mais j'ai l'impression que les autres me voient plus. Et j'ai l'impression aussi qu'ils m'entendent même plus. C'est trop bizarre. J'espère qu'il s'est rien passé de grave là pour que je devienne comme ça. J'espère qu'on m'a pas jeté un sort. Peppa Pink! Ouais, bah, je te rappellerai quand Peppa Pink! Bah, oui, quand j'aurai des nouvelles. Hey, je te rapporterai Peppa Pink! Ouais, bah, je te le rapporterai demain. Peppa Pink! Ouais, d'accord. Oh, non, mais quand je vous ai dit que c'était grave, regardez, il m'entend même pas. Peppa Pink! On se voit demain. Et? Ouais, ok, pas de problème. Oh là, c'est n'importe quoi, vous avez vu. Bon, je vais quand même essayer de faire... je vais faire bouger un objet devant lui. On verra s'il voit l'objet que je tiens ou pas. Peut-être que... Oh là, qu'est-ce que je peux prendre? Bon, écoutez les amis, je vais prendre le chat. Allez, viens. Viens, on va faire une expérience. Peppa Pink! Peppa Pink! Eh oh! Ouais, t'es là, toi? Non mais c'est... Non mais... Bon les amis, j'hallucine. J'hallucine, je comprends pas comment c'est possible. Attendez, je vais prendre une frite comme ça. Peppa Pink! Peppa Pink! Eh oh! Eh! Eh! Peppa Pink! Peppa Pink! C'est quoi ça? Oh non mais c'est pas possible. Non mais il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Non mais il a pensé que la frite venait de nulle part comme ça. Bon, je vais réessayer avec Lily Rose. Ça tombe, elle me verra au moins. Bon, si vous arrivez à me voir dans la vidéo, déjà je serai rassuré. Parce que je sais comment je peux leur parler en vidéo et que ça craint rien. Et toi, tu me vois? Eh oh! Non mais... Mais le chien, il me voit pas non plus. D'habitude, quand il me voit, il demande des caresses et tout. Là, il veut rien. Bon, écoutez, je vais essayer de rentrer dans la chambre de Lily Rose. Lily Rose? Lily Rose? Tu fais quoi? Ça s'est bien passé ta journée? Lily? Lily Rose? Elle s'est bien passée ta journée? Eh oh! Attends, mais... Elle est même pas étonnée que la couverture arrive sur elle comme ça? Attendez, pareil, je vais essayer de prendre un objet. Ça tombe, elle va le voir flotter dans le vide, elle va avoir peur. Eh oh! Eh oh! Lily Rose! Bah oui, forcément, si elle m'entend pas. Bon, je vais la toucher avec. Eh! Eh! Non mais... Voilà, Lily Rose, elle est même pas étonnée qu'un objet flotte dans le vide. N'importe quoi. Quoi? Écoute, j'ai un truc vraiment bizarre à te dire. Il s'est passé un truc, vraiment, vraiment, je me demande ce qui s'est passé. Alors, j'étais en train de téléphoner à un copain, et puis, tout d'un coup, bon, ça, je vois le chat. Le chat qui saute, d'habitude, il saute pas dans le fauteuil. Ouais. Et puis après, bon, je me pose des questions, et puis après, je me lève. Ouais. Et il regarde la frite. Ouais. Et ben, elle est venue sur moi, et puis elle a bougé comme ça devant moi. Faut pas s'inquiéter, hein, c'est un truc normal. C'est moi. Hein, regarde ça. Ah, mais c'est rien. Bon, je suis en train de réviser, là. Arrête de m'embêter pour rien. Mais regarde, écouteurs. Tu sais très bien qu'il se passe toujours des trucs bizarres dans cette maison. Regarde. Bon, mais c'est quoi ça encore? Bon, c'est pas grave, va faire ça autre part. Moi, je dois réviser. Ça t'inquiète pas. Pas plus que ça, Lily Rose. Bah non, tu me caches quelque chose, Lily Rose. Bon, Lily Rose s'en fiche totalement. Peppa Pink, il est étonné. Non, mais de toute façon, je peux parler d'eux juste à côté.
Bon, écoutez les amis, de toute façon ils s'en fichent de moi, ils ont même pas remarqué que j'avais disparu, ils s'inquiètent même pas que j'ai disparu. Du coup, je vais profiter d'être invisible à leurs yeux pour les pranker et je vais pas me laisser faire. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre dans la chambre de Lily Rose? Bon, attendez, qu'est-ce que je peux prendre ici? Oh, j'ai une idée, je vais prendre son téléphone. Là c'est sûr qu'elle va, elle va râler. Alors, où est-ce qu'il est son téléphone? Attends, ah, je crois qu'il est... Oh, il est là. Il vole en plus. Mais c'est quoi ça, purée? Mais c'est quoi ça? Pourquoi mon téléphone, il vole? Les téléphones qui volent. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, quand on touche à son téléphone, elle se pose des questions. Bon, il faut... Ah bah... Et toi, ça t'inquiète pas plus que ça, le téléphone qui... Mais mon cahier qui vole, mais c'est quoi ça, purée? Tu fais de la magie? Mais non, je fais rien. Regarde, ça recommence avec la frite. Mais purée. Attends, on va appeler Esteban, je vais essayer d'appeler Esteban. Enfin, il s'inquiète de savoir où je suis. Il est dans sa chambre. Bon. Esteban! Elle voudra pas que je vole son téléphone, elle va le rattraper au dernier moment. Esteban! Il faut que je prenne plein d'affaires comme ça. Ça peut être trop marrant. Et en plus, je peux même pas être vu sur les caméras de surveillance de la maison, du coup, comme les caméras me voient pas. Enfin, d'ailleurs, j'espère que celle-là, elle va m'enregistrer. Ça serait bien. Bon, attendez, je vais faire un prank à Peppa Pink. Esteban, t'es où? T'es là? Je vais le pousser, comme ça, il peut rien faire. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Ils m'entendent pas. Qu'est-ce que je peux faire? Oula! Non, c'est quoi? Tu veux du blague? C'est trop marrant d'être invisible. J'espère que je vais garder ce super pouvoir. Bon, j'espère aussi que des fois, ils pourront quand même me voir, parce que sinon, ça va être très compliqué de faire des trucs en famille quand même. Peppa Pink, attrape-moi! Attrape-moi! Qu'est-ce qui se passe? Esteban, t'es où? Alors on fait moins le malin, hein? Oh non, mais qu'est-ce qui... Bon, les amis, je vais continuer à profiter de ça. Je vais pas arrêter de les pranker en prenant des affaires. Et je pense que je vais attendre cette nuit. Et quand ils seront tranquillement en train de dormir, je vais venir dans leur chambre et je vais mettre au-dessus une cape de fantôme au-dessus de moi. Comme ça, ils vont avoir peur. Ah, bon, alors... Je vais réessayer de prendre le téléphone. On verra bien ce que ça va donner. Lily Rose. Lily Rose, je me suis... Je sais pas à quoi t'attends. Quoi? C'est quoi ça, purée? Allez, ton téléphone. Non, mon téléphone, il va tout seul. C'est bon, je l'ai. Il est là. Mais il veut pas se laisser attraper. Il a disparu. Ah, mais oui, il le voit à travers ma poche, du coup. Allez, regarde où il va, ce téléphone. Il descend les escaliers. Tu l'auras pas. Bon, les amis, je vais les... Je vais le garder et je vais leur faire des pranks. Peut-être qu'il y aura un épisode 2 sur les pranks que je vais leur faire avec cette technique. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Vous pouvez cliquer juste là. À la prochaine. Ciao.